Pas Isaline. Aujourd'hui, l'élection en haut à ma paix, Batie Félix Tshisekedi, la position à Yambo. Baye, Batie Katumbi na deuxième place. Martin Fayulu a la troisième position. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Monsieur Chilombo, puisque Batie est babillé, mon continent à Bango. Très bien. Mamadou Ndala, général Bounza Mabe, général Baouma. Ba gagna ba groupe armés en Rwanda état de siège à la raté. Bolongola kaka occupation, infiltration, trahison. To regagner bitumba. Quelle est cette armée qui peut gagner na ba traître na kat? Yo lobi, bokata ba to mituna este ba paya. Mais bino ben dividi et puis aujourd'hui bete na otolo. Na bite so ce pays a oki Rwanda na otou pas. Italio parce que lobi ngomba la misato. Koloba ki bokata ba to mitou. En tout cas, yo kata ba to mitou. Italio ngana li avocat yo mambo koloba CP azali na simana yo azali ki moto moko na suka boyayi asimbi peuple congolais pardon on a bilan élection chaotique bilan chaotique nyonso mabe mabe ayebinga bien ayebinga très bien je suis son fabricant azamuke na yebi sika utaki Nana zoye sika mata kwa koma la place wana yemo kwa iska wiko talanga akotalanga te akima inga na New York na assemblée générale na zaki na New York akima inga na Bruxelles na zaki wana oyebi pola ina kende ki na anila ki voyage ni Abu Dhabi ya dernièrement Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous jure, s'il y a une escarmouche, une seule balle, hier, l'M23, allié de Corneille Nanga, ont pris Mufumbu. Aujourd'hui, Matanda, dans l'est de la République, a été pris. Depuis, il a fait sa déclaration jusqu'aujourd'hui. Des localités continuent de tomber. Et les militaires sont morts dans ces affrontements. Je te donne des localités. Mufumbu est tombé hier, sous contrôle du M23, les alliés de Corneille Nanga. Matanda est tombé aujourd'hui, le 22 décembre 2020. Matanda est tombé sous contrôle du M23. Les alliés de Corneille Nanga. Oloba qui lissa si moko. Déclare la guerre. Toye baki, que ma ponomi ekozala nzela ya tombo ya mboka na bisuki. Nous avons assisté na makambu ya somo. Voir si ceux qui s'opposent à ces résultats-là, est-ce qu'ils ont des PV qui montrent que ce que la CENI a projeté est faux. C'est le point de départ. Ça, ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ses chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu. Parce que moi, si j'ai perdu et si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi des preuves. L'organisation criminelle de la fraude électorale, tous dans l'Union sacrée, afin que ça puisse leur servir des résultats. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'agiter, de s'escrimer, de parler « Oui, maintenant on va afficher bureau de vote. » Oui, parce que ce sont vos bureaux de vote parallèles où vous avez pu voter en toute clandestinité, où vous êtes tous des fraudeurs. Quel sentiment vous animez quand la victoire de Tshisekedi se dessine déjà? D'abord, je suis animé par les sentiments de joie et j'ai dû merci au Créateur des cieux et de la terre, puis c'est grâce à lui que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a eu trop de pronostics des prophètes de malheur qui ne s'entendaient même pas qu'on pouvait réaliser ce que nous avons réalisé. Et grâce aussi à l'apport de tous nos amis de l'Union sacrée qui se sont battus, qui ont mis toutes les énergies en place pour qu'on puisse réaliser ces scores. La victoire ou bien la victoire qui se dessine, l'écart est très important. C'était prévisible. Expulsion, M. Chilombo, de ses propres enfants. La pronata protection des droits des enfants. C'est un dossier public. Comment bana mineur, régime et koko expulsé, bana entre guillemets, yamo konziamboka, et toucher l'humanité à bana dans le monde entier.
Et s'il y a un procès, M. Chilombo sera condamné na civil. Pour même à verser ma pension alimentaire là-bas, na wana, on va traumatiser dans un hôpital. Ils ont la canaba mauvais troupe, ils ont la rendez dans mon bichet. Mon canne. Autant que vous avez des bateaux, vous avez des bateaux qui sont en train de se faire. Vous avez des bateaux qui sont en train de se faire. Pourquoi est-ce que vous avez quitté le mandat de Félix Tshisekedi? Donc, c'est que le bilan est catastrophique. Mais avec le peuple qui a lié, il faut que vous soyez en conscience. Belelaka awa ke mboka na biso ekozala sauvé na nzela ya article 64 parce que ezali na kati ya mobeko likondi. Réaco News vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. Na pesibino mbote, joyeux anniversaire à ma maman, maman Marie-Thérèse Ambaote Lunja, Oyo, Azali Kosepe la Mokone, Ambota Malelo, dimanche 31 décembre, Nzambe Abokazi Bonson, Ape Sayo Nyonso. Ya malamu maman ya bana ebele tika ete kimia ya kolonzambe ekoba ote ya motema na yo. Bienvenue mesdames et messieurs na éducation politique ya dimanche ya lilo oyo motuna ya liboso ezali ya kotuna ngobila soki pe projet ya metro ti lelo na kina ezali wapi, c'est une question oyo bakongo mani bayike bazali komituna te lelo. Tozwaka bekaka eyano na yangote. Election 2023, publication, balaka kibiso yango, moko lo elelo, mbilinga mbilinga. Oh, e bako pesa nanu ndambu ndambu, bino moko bomoni, kongole, basusu bayi opozan, bako sepelate, bele pe ya bako ngomani bako sepelate, surtout, bayi diaspora pe, oh, e bako seli bango makamu selon basusu, ndenge bapesi, mbela oya bango na mambi me matale election oye uti koleka na awa po basusu balobite mama Tatiana tina te to benga yango election ezalite pambate ezali makambo ya soni eside parti cher ya président Martin Fayulu bazali ko proposer transition ya 8 à 15 mois oyo wana en quoi de vos kitoko transition alobite eko permettre que to éviter ba délinquance électorale ya président ya Seni Denis Kadima afin de permettre aux Congolais de choisir librement ses dirigeants. Êtes-vous sûr que Félix Tshisekedi oya ko sepela déjà malgré l'élection ezala ki chaotique oya ko sepela déjà victoire naye akondima proposition à bayi opposition. C'est une question où mutu na mutu sika azali tozo kangisa kaka to kangisa makanisi ya mutu na mutu apesa makanisi na ye. Eza makanisi oto kopesa. Mutu na mutu na coin sika ye azali apesi makanisi na ye. Est-ce que transition ya 8 à 15 mois oyo bayi opposition ba kosenga Martin Fayulu ndenge ya kosenga yango ndenge balobi. Est-ce que pouvoir en place to pepo na Félix Tshisekedi, malgré ma ponomi ndenge elekani, oyo azali deja ko sepela na victoire, obiso nyonso tomoni, ba mama na biso ba beti bango, tomoni makambu ya somo, soki tobi tozonga na sima, boko mona ke election oyo elongo bana kite po te penza ba publication ane sali. Na yambaka mikolo milekani mwana mboka Marley vu. Alobite, réunion wana maloba na ye, moko esale maka, wapi pa idenika di maako lobate azo mona motindo nini te oyo ye ako publie Félix Tshisekedi loko la tata mokambi ekolo. Malgré nyonso wana, oyo eko salima. Ye alobaki te ako tindika yango na cour constitutionnelle. Pensez-vous, entre nous, to solo la malim. To réfléchir ensemble, kasi to réfléchir malamu mingi.
Pensez-vous que Félix Tshisekedi a que jeté éponge? Pensez-vous que Félix Tshisekedi a conduit ma transition? Et transition na Félix Tshisekedi a conduit ma. La transition na nyakukumba mboka. Aujourd'hui, c'est l'opposition de Basangani Bangonyon Soliboke pour te battre dans le Lobamoko. Mais tout ça, c'est une émission Balaombala, qui est de la Bango, qui est de Sika Moko. Hier, avant-hier, j'étais en communication parce qu'il aurait fallu que je prenne le Mboka Prince Epong. À l'objet, je suis allé à la réunion de la CEPAS. Je ne suis pas opposant à Bansangani. Quand c'est la proposition, on a fait ça qui. Avant même ma ponomi, entre Fayoulou, To Katumbi, Moko na Bango a rejoindre Moninga, ma boyaki, regardez si quoi situation bo tchieba na mboka. Nyo soa na to tchango na mitou na bino. To yeba ki, ke ma ponomi eko zalandzela ya tombo ya mboka na bisoki. Nous avons assisté na makambu ya somo. Est-ce que vous avez vu comment ma koulou na basangani na la police? Bazo bamba mabanga na siège ya parti ya Fayoulou. Vous avez vu les images? Est-ce que les images botalia? Triste pour la RDC. Lobby UDPS a lela ki mingi na comportement en face ya bandeko. Il a peu perdu. Balobi te peu perdu à Tumba Kabango. Balobi. Onyon so balobi qui bison so te yo Kabango. Mais aujourd'hui, c'est le tour. Il y a eu des pèses au pouvoir. Au salaire, il y a une opposition. Pouvoir, il y a un soki peut au bito lukato yeba. Et ça, le rabbi non dengeni. To ezala kandengeni. Nali to réfléchir. Et ça, la nini. Na bonde la ki bino, so ki bino mbale bo kota la bo pe sata mkwegi. Pe sa ki makanisya wa. Bo bo ya ki. Bo tali ba plein. Bo eba ki plan B. Nini oyo, Tshiseke di azali na yangote face na bino. Et regardez, aujourd'hui, oyo ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Denis Kadima pe na par na ye avant asi a pesa ki réponse na quand oyo bazala ki ko réclamer annulation ya ba élection. Quand quelqu'un demande l'annulation sans même comparer les chiffres qu'il possède à ceux de la CENI publiés, c'est que cette personne-là a perdu aux élections. Qu'est-ce que vous avez compris? Déjà, la vidéo est tenue tout de suite. Suivez. C'est important quand on publie les résultats. C'est que les résultats reflètent la volonté de l'électorat. Et comment vous savez que ça reflète la volonté de l'électorat? Il y a plusieurs niveaux. La première étape, c'est que vous devez voir si ceux qui s'opposent à ces résultats-là, est-ce qu'ils ont des PV qui montre que ce que la CENI a projeté est faux. C'est le point de départ. Est-ce que ce que la CENI est faux? Non. Est-ce que ce que la CENI a fait est faux? Ça, ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ses chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu. Parce que moi, si j'ai perdu et si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi des preuves. Alors, deuxième chose, nous allons publier les résultats par bureau de vote. C'est une occasion pour ces personnes-là de venir voir si la CENI a manipulé les résultats. Moi, je pense que c'est le plus important. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas toujours eu la chance de voir un processus transparent. Cette CENI vous donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre Bosolo. C'est pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux. Et quand nous aurons fini, nous allons publier les résultats sur notre site web. Prenez vos résultats, vous, les journalistes, les témoins des partis, les partis eux-mêmes, les observateurs, vérifiez. Et si vous voyez, si vous suivez les déclarations de toutes les missions d'observation, toutes les missions, alors toutes,
internationale. Moi, je pense que c'est le plus important. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas toujours la chance de voir un processus transparent. Ce pays, je donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre de Solo. C'est pour que les gens puissent voir de leur propre vie. Et quand nous aurons fini, nous allons publier les résultats sur notre site web. Prenez vos résultats, vous, les journalistes, les témoins de partis, les partis eux-mêmes, les observateurs, vérifiez. Et si vous voyez, si vous suivez les déclarations, les émissions d'observation, toutes les missions, alors toutes, internationales comme nationales, tout le monde converge dans la même direction pour reconnaître en effet le processus crédible. Les irrégularités, c'est dans l'œuvre humaine. Quand nous avons des problèmes d'aide opérationnelle, c'est des difficultés. Nous n'avons jamais aspiré à gérer un processus qui ne rencontre aucune difficulté. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des difficultés. Ce qui compte, c'est que vous faites face aux difficultés. Et je pense que la CENI a mis tout en œuvre. Je vais aller un peu au-delà de votre question. Quand vous observez nos différents cycles électoraux, vous allez vous rendre compte que depuis 2006 à toujours, nous n'avons jamais eu un bon niveau d'inclusion. À l'époque, on nous a jeté des fleurs. Quand ceux qui craignaient qu'ils ne soient pas candidats ont découvert que même eux ont été acceptés. 100 000 candidats, c'est plus jamais fait. Au-delà de ça, vous avez la transparence. Nous avons permis l'observation long terme, l'observation court terme. Nous avons vraiment ouvert les jeux pour que tout le monde puisse voir. Ça aussi, ça fait partie de la transparence, c'est-à-dire le centre de Solo, et puis plus tard, les résultats que nous allons produire par bureau de vote. Observez le caractère apaisé de ces élections ici. C'est plus jamais vécu. Dans ce pays, les jours des élections, les gens se perdent à la maison. Les gens circulent. Ce qui passe, c'est que les résultats que nous sommes en train de publier reflètent leur choix. Il y a des signes qui nous trompent. En fait, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous êtes à un moment assez historique où les Congolais vont commencer à avoir des élections civilisées. Nous sommes là. Je n'ai pas peur d'être avec vous. Vous êtes ici, tout le monde se sent en sécurité. Il n'y a pas l'armée ici. Il n'y a pas de chars de combat ici. Vous devez comprendre que nous avons progressé. Non? Je regrette depuis le fait que les journalistes s'appesantissent sur certaines déclarations négatives sans preuve. Et c'est de ça toutes les questions qu'on nous pose ici. C'est par rapport à ce qui a été dit et qui n'est pas plausible. Parce que même la mission de la CENCO, les gens attendaient que la CENCO aille dans le sens opposé de la CENCO. Il n'a pas été le cas. Ça doit vous rassurer. Et je vous dis que c'est toutes les missions qui ont abondé dans le même sens. Et moi, je pense que nous, en tant que pays, nous devons être fiers de l'étape que nous venons de franchir. C'est une étape très importante où il y a une convergence de vie, où les gens sentent que ce qu'ils font, c'est la volonté du peuple, c'est the will of the people, comme on dit en anglais. Soyons contents. Bisoto Sepela qui n'est Kendeli, le président Martin Fayou, la Betela qui. Il y a beaucoup par rapport à la décision où il y a eu. Qu'est-ce qui passe les alignés? Aujourd'hui, l'élection est en MAP, Batier Félix Tshisekedi, la position à Yambo, la 72,89%. Baye, Batier Katumbi, la deuxième place, 18,27%. Martin Fayulu a eu la troisième position, la 5,20%. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Parce que, dans le mandat, il y a Félix Tshisekedi. Batu ebele bazaka ou bien Félix Tshisekedi, monsieur 15%. Il y a si koyo po a répondre bino. A kiti si Fayou na 5%. Donc, ce qui va annuler l'élection, Fayou nous va obéir, monsieur 5%. Moze lango, Katumbi va obéir à 18%. UDP c'est à Bongo. Batier, Félix Tshisekedi, Nicolo. Le petit Sarabino. Le petit Sarabino qui voit au bozo qui est de la Isaïe en côté. Tala l'élo. Ils allaient passer ma bande de Kobalandi. Gouvernement à République démocratique du Congo. Et Zoa qui paie. Et là, comment côté pour organiser toutes les mesures, oyo
et interdire organisation à baculte peut veiller de prière sur l'ensemble de Yamboka. Ce qui circule dans les réseaux sociaux n'est pas que de l'intoxication. Wana Peter Kazadi. Donc tout le baté bato ebele bazali ko le baté ba pekisi veye ko sale maté donc veyeza. Bino pe ba yo bolonga bolong la ba veye ba lobi ke veyeza. Les lo veyeza. Veyeza. J'ai reçu la confiance du peuple congolais et nous devons travailler très dur pour maintenir cette confiance. Lâche le Félix Tshisekedi, le président de la République, au conseil de ministres au Salemaki Mokoloya, vendredi 29 décembre 2023. Honte à vous, tous toyebi. Attendez, les cani que Félix Tshisekedi a zuité. Oh, les cani, oh, les ali ma ponomité. Même Kabila, les diables, n'a pas organisé ma ponomie en à Trichaka wana. Oh, Alain Bolodjo a lobby, n'a qu'au tricher, et c'est un rappel faux aux anamaïli. Parce que, oh, comme ma place, nous n'a commis virgule au canti, oh, les a S. Yango et Salemi. Moto a tché l'itono misato. Yoko kansata ou moussou te ba point wa na misato ou ye ati. Et la kisi loko la te. Et zaka ka moko a salaki erreur ou continue ou zuite. Yango wana. Et zali pasipe mawa. Oui, les cas n'ont pas cannabis sur la République démocratique du Congo. Et maintenant, il y a en janvier, tu as beaucoup de lobby, 1er janvier, total. Soki, bah au cas t'as besoin de connexion qui, Soki, Mboka, Soki peut-être bah voter fait tu sais qui dit, tu veux qu'attend Mboka, moi quoi qui m'a nios, on est collé ça peut-être t'as ta azur. Bisous sur toi, Yebi. Point de vue, il y a bande de Konabiso, il y a Kivu. Point de vue, il y a bande de Bukavu. Point de vue, il y a bande de Konabiso. Bref, il y a Est, Toyebi, Oyekolekana. Toyebi. Bango penza boza sur que ba voter fait Tshisekedi. Nenge kadima, Yebisibiso. Nenge présent enseigné, Yebisibiso. Kota la déjà ka attitude y a pamba y a présent enseigné, ko la ki sa déjà. Yazali militant et UDPS. Denge o ba ibisaka biso et pa Albert Moleka. Yazali ki militant et UDPS. Tope, moko ba UDPS na Afrique du Sud. C'est pourquoi maîtrise en anglais, ma kasi ki français. Toyebi. Toyoka yango. Et pa monsieur Moleka. Quoi dire dans tout ce que o to zali komo na lulu na mboka na biso République démocratique du Congo. Tout ce que là, tout bête ma boko, tout yemba, et yenga ya mbotama, tout salanini, tout lila. Peuple congolais na loba ki to ozaka na misu na biso moko, po etangisa mai. Yango lelo, je sais pas, deuxième mandat yango a Félix Tshisekedi di soki a kukamba peuple congolais ndengeni. Na be élection chaotique ya modèle oyo. Tous nous avons vu ce qui s'est passé dans ma ponomi, dans mon cannabis. Tous et la nuit. Peuple congolais, Zala Yomoko Sika devant destin na yo. Omoni makambo et salemi dans mon cannabis. Mboka mobimba, dollar et zala stable. Et qui taka, et mataka, tant ou elingi. Er moko héro e komi likolo, er moko e komi nase, er moko, ndengwana. La chanson en franc congolais, na kati na yango, baemba na loyembo wana, mboka soki e bebi, na mon solo, e bebaka, na yango elongo. Awa pe tozali ko assiste na nini. Mon solo ya ko beba.
Félix Tshisekedi a promis tant de choses aux Congolais. Est-ce qu'à ça il y a? Est-ce qu'à ça il y a? De jeunes enlevés. Azala ki moto moko na souka boyaye a sindi peuple congolais, pardon. On a bilan. Élection chaotique, bilan chaotique. Nyon soma be ma be. Peuple congolais. Firme, j'ai suivi même Nani Ndeko Augustin Kabuya. Alobi, l'IDPS n'a jamais eu peur des élections. Bino ne bozana distraction, au lieu de se préparer, bozo kota na ba considération, oye, et go faire échouer bino boya ko lugaso so on a triché. C'est le moment de vous préparer. Bilan mi parcours de Félix Tshisekedi, une réussite totale. Willy Michi qui l'a étalé, allons aux élections, c'est celui qui va gagner. Ah, merci beaucoup. Avis 12 minutes. Allez-y, à Sengagi Totike li était. Merci beaucoup. Yamboyete na talisa bilan ou ils ont des aspects passifs na actif. Moi je préfère parler du passif parce que na moins il est actif et raté. Maintenant ce qui n'a jamais manqué ndeko sangolo ba ki ba journaliste au moni au cité pe kombo ya ndeko na biso Christian oyo so au moni boya bimana TVT mais droit lobby hein. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Même Elongio Bayebi. Même on Bayebi, il faut battre ça, il faut protéger. Tu as le régime, tu l'envoies à l'Ibiso. Tu as le sang, tu as le bête. L'Igodi, le col, c'est ça le bilan de l'UDPS. Non, même ce gaz là qui, s'il vous plaît, même ce gaz là qui est identifié pour l'Elongité, ce gaz là qui n'a gilet à presse. C'est ça en fait le message. Le problème est à s'identifier le roi à la presse. Aux une 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Donc, attends, on l'a dit, gilet à presse. Moto, on a droit au bêta moto. Parce que, bato, bêta maïkouna, bazala qui gagne à gilet, passant peu, moto, ok, ne veut pas tout le monde solo, maman, à kanimon, on a son galop, on a fongo le son galipouta. Ça, c'est le régime de l'UDPS. Mbo, ce meeting na Tchangou, nos gens ont été contactés hier, 10 000 francs, na polo. Mbo so comme na mbongo wapi pour d'abord recruter batwa ki na meeting mboka oyo bo pesi batu mai bo pesi batu kolia bo pesi batu lotiliki bo ko corrompre moto ya na meeting donc c'est que bilé ça catastrophique ba ki peuple a kolia te il faut qu'on somba conscience na ye et ali passi de comment sont tant présent à l'Assemblée nationale il a fallu favoriser ba loi oyo ko réduire chômage a inciter ba député ba sala mibeko à impact économique, à impact social, à impact environnemental. Mais papa Mboso, Pepe Mboso a commis Sankara et Fachi, Talasoni. A constat la campagne, Fachi Béton, candidat Nangaï. Si on était dans un état normal, il doit être interpellé. Campagne prématurée, président de l'Assemblée nationale, qui est censé être au-dessus de la mêlée, puisqu'on gérait toutes les tendances politiques de l'Assemblée. A commis les militants. Ça, c'est l'UDPS. Bah, il faut transformer Mouto. C'est aussi le bilan. Bilan, mais c'est Chilombo, c'est la mauvaise gouvernance. Arrogance, y'a UDPS. Banditisme, bato UDPS. Au moins, y'a bato UDPS, bato bête à moutonan, c'est la police à ôter les mandats. Bato UDPS, c'est bato bouka mitouka. Y'a bato l'Assemblée nationale, ou ebi. Tantôt, contesté contre Malonda. Devant les policiers, bakanganani. Laissez aller, arrogance, ben touchable. Ça, c'est l'UDPS. Bilan, y'a UDPS, mais c'est Chilombo, 104 voyages. Bilan et union sacrée. Mais moi, monsieur Chilombo, puisque ma tchèba a bien de mon continent bango. Très bien. Tandis que Bilan Kabila. Kabila n'avait pas travaillé seul. Quand je dis Bilan, monsieur Chilombo, y compris Ndego Michiki. Très bien. Donc, monsieur Chilombo, 104 voyages. Délégation moquée, n'a pas voyage à Sali. 125 personnes. Mon solo à l'État, Congola. Moyen à voyage, 2 500. Aucun investisseur, même pas un cordonnier allemand. Même pas un couturier chinois a été. 104 voyages. Et elles ont prôné social-démocratie. Alors que social-démocratie, il faut le peuple d'abord. Donc, bilan, M. Chilombo, c'est les voyages d'abord, c'est les Rwanda d'abord. Au moins, on a signé un accord dans Rwanda.
a exploité minerai à Congo. Rwanda là qui exclut na processus ya Kimberley. Alors que côté ka diamant issu du santé, coltan issu du santé, or issu du santé. Mais c'est si l'on voit pessier ba corps commerciaux pour abîmer sa réserve à pilla qui pendant 25 ans, de 97 à ses jours, 24 ans, a te ka na marché international, ba laver matière première à Rwanda issu du sang à comment commercialiser en amont. Ça c'est l'IDPS. Bilan, M. Chilombo a signé un accord na Burundi. Ba tonga banzela na Congo na mbango ya Burundi na Uganda, monsieur Michiki. Ce n'est pas la haute trahison ça. Les routes relèvent aussi l'intérêt national, financer ça bon de tonga route net les États-Unis na mbango au Congo au Salema. Bilan IDPS. Expulsion M. Chilombo de ses propres enfants na pronata protection des droits des enfants. C'est un dossier public. Comment bana mineur régime est coupé, expulsé, bana entre guillemets, y'a mon konziamboka, et touché l'humanité à bana dans le monde entier. Et s'il y a un procès, M. Chilombo sera condamné dans civil. Pour même à verser ma pension alimentaire dans bana, on va traumatiser dans un hôpital. Bilan IDPS, y'a li 15 millions, oh M. Chilombo a bien rétro-commission. Corruption légalisée dans TV5. Ça, c'est vous. Il reconnaît, mais non, chez nous, c'est ben en haut COP. Bon, institutionnaliser COP. Et ça, c'est une atteinte à la dignité républicaine. Bilan, mais c'est Chilombo, 80 millions de cotes pétrolières détournées dans l'économie. N'est-ce pas, ministre économie? Vous avez parti, n'est-ce pas, l'économie. Bilan, mais c'est Chilombo, 450 millions vidés à la réserve d'échange. Ata 1 dollar, ils ont raté. Bah, procès mascara de Salemi, bah, condamné à libérer, bah, mon yosso, la grâce présidentielle. Est-ce qu'elle a la caméra? C'est ça la bonne gouvernance? Procès pénal dans matière de détournement, au-delà de la condamnation pénale, c'est la restitution des fonds publics. Bah, donc, si combien? Ndekolobi, IGF, s'il vous plaît, ne prenez pas les Congolais pour des imbéciles, passez-moi les termes. IGF, c'est un organe de contrôle administratif, c'est pas les procureurs néolobiona. L'IGF, c'est un organe de contrôle administratif. J'ai fait les finances publiques, l'École nationale des finances publiques. Après avoir fait les droits économiques et sociaux. IGF, organe administratif, Azali na tutelle ya président de la République, Cour des comptes, organe juridictionnel pour auditer les comptes de l'État, les comptes généraux du Trésor, les finances publiques. Mais les parquets, les procureurs, Azali na parquet financier près la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes. Parce qu'il y a une réforme. Il y a Cour des comptes. J'ai travaillé sur la question. Donc, il y a un parquet financier. Il y a un quoi enquêter. Pour n'a pas ça là. Mon ça là, oh, bah, tu vois, il va m'en sauver à l'État. Bilan IDPS, répression des libertés publiques. Bon, mon île, le 15 septembre, monde entier, bah, lobby qui est, voilà, t'as comme une dictature, bah, qu'au bête, bah, qu'au pillé, bah, tout l'ambiance. Bilan IDPS, taux de chômage. 94%. Laissez-moi chiter, puis ça va toi, c'est 12 minutes. Toi, à chômage, 94%. Ça n'a même pas 5 minutes. Allez-y, Bilan IDPS, RAM, Bako Yiba, même des Komishiki. Dans une formation technique, il y a 6 moussous, il y a frappé dans RAM. Donc, si ma Bakabound, il y a dans la RAM. Bakabouya, il y a dans la RAM. Non. Je voulais dire, vérifier un faux enquêteur. C'est vrai. Il y a des cibles. Oh, ils ont frappé RAM. Entre autres, Kabound. Même si il veut être un de Komishiki. Donc, besoin quand t'as petit peuple rampe, besoin il va besoin. Ça c'est l'IDPS. Bila IDPS, il y a l'état de siège criminel. Et moi reconnaître toi, état de siège c'est l'autre côté. Bah toi on couvre caca. Mais bien on décrète état de siège éternellement. Mais c'est une bobi timoukolo. Oyoyo, tu rejoins la Kinshasa. Oh état de siège, il y a situation exceptionnelle. Il faut directer une année deux ans. Bila IDPS, c'est ali dépassement budgétaire à outrance à la présidence. Mais c'est une champion de dépassement budgétaire. À terme de millions. Et vous dites que ça, c'est la bonne gouvernance? Bilan IDPS et Ali, échec diplomatique. Na SADC. Incapable de l'exécutif exécutif. Mosolalité bimi. Na ONU. Na Union africaine. Chilombo reconnaît les coups d'État na Tchad. Il veut condamner les coups d'État na Guinée. Bah, gangéli na Guinée. C'est une insulte na République à Congo. Bilan IDPS et Ali, a commis ça, bah, Rwanda, nyon, soba congolais, na simple discours. On a déjà bani Rwanda na IDPS na Goma. Descend. Bilan IDPS yali Rwandais, Karega. Oza négationniste, vont donc protéger na Kinshasa. Merci. Bref, ce que l'on retenir que gratuité en Sénémé, Salemi Ndeko ne dites pas
et ali œuvre à Chilombo et à œuvre à constitution mais mal appliquée puisque les enseignants aujourd'hui bah au croupir la misère bah au foutre en d'accouté bah au tangi saba en abangoté s'il vous plaît donc ça c'est une gravité criminelle s'il vous plaît et enfin s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Willy Mouchik nous sommes arrivés à la fin je vais vous donner la parole par rapport à l'état de siège. Vous avez peut-être le temps d'en parler en passant, mais il faut qu'on en parle. Le chef de l'État lobby, état de siège et Kolongwate, ce qui caca, la raison pour laquelle il y a un ou et qui est Kouksa, soit l'objectif est à atteindre, il y a un ou salamate. Nous constatons également exploitation à minerai, ou qui chef de l'État n'est pas lobby, c'est que les batouniens sont en abakende. Pour la population, il y a un bénéficié en angote. Les cambois minéraux en démocratique du Congo, bah autorité, bah comme il bah plaintif, bah zo comme on est une bah chinois, bah zana walikan, to chinois zana uturi, to chinois comme telle place, bah zo comme na place que bango, bah zala mieux informé et puis bah zo bah sanction. Ce sont les deux points importants que moi j'aurais tenu au travers, au-delà de la CENI qu'on a parlé. Quelle est votre réaction? Nous sommes arrivés à la fin, ne me prenez plus du temps parce que je dois faire une mise au point. Après la mise au point, il y a le journal qui doit intervenir. Je vous donne 4 minutes, ou 5 si vous voulez, je vous donne 5. Restez dans l'essentiel, on termine. Moi, je vais rester faire une mise au point avant de laisser le plateau parce que le journal les a. Voilà, vous avez la parole. Droit au bi. Ok. À ce qui concerne l'état de siège, je crois que Ezala qui a tes solutions moko oyo après qu'on meka tomoni toke na solution wana extrême. Et les gens qui critiquent l'état de siège, totuni bango, alternative ni ni bopezi, puisque ceux qui les lotent au cas d'état de siège, donc ils ont la situation là. Ceux qui n'ont analysé bah résultat les longs, là dans mon orchive, 82% bah groupes armés bah nationaux bah déposé bah armes, naïtour 64%. Les lois en a bah coin, oyo bah vendez qu'au kendete, bah benimba ouana, on a au kendete bah iba irengeti bah mangina. Les travaux champêtres ont repris dans ce coin-là. Les lois ont été Kobima n'a point frontalier Mahagi. Okoma na Bunya, c'était vraiment la route de la mort. Les lois ont été Les lois na Djougo, Kokende, na Mambasa, Kokende, même Fiat. Mais dans le biboy, il faut si koyo les lois. Parce qu'il n'y a que 4 mois que tu bandis ma opération. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan. La meilleure armée du monde, Balembi, Batibi, Sakaramoutou, Bakeye. Soutenons notre armée. C'est un processus. Yango nazaï kolobana et système ingi pona kar. Deux choses na cinq. Un, première chose, Assemblée nationale, puisque c'est la majorité de l'Union sacrée, adopter le projet de loi d'habilitation à seconde lecture, comme vos collègues du Sénat l'ont fait. Puisqu'ils ont un effet psychologique vis-à-vis ya ba bandi wana po ba ebake, le processus ici, y a état de siège irréversible. Deuxième chose, il faut impliquer la population. Toute guerre, on ne peut pas gagner une guerre sans l'implication. Nous, on a fait ça à Walikale. Collaboration avec la population. Bison de Toko chasse. Et pas la bison FADC. La bison de Kosango. Bah, FDLR. Baza plus méchant. Plus méchant. Plus agressif. Mais bison, tu kati bango mitou. Tu kimisi bango. Tu l'as dit bango même la massisi na ruchur. Je dois dire la vérité avec l'appui de nos groupes armés qui nous ont aidés. Oui, qui nous ont aidés puisqu'on ne pouvait pas faire. Mais à qui accord la communauté. Il faut que Bandegourabisope, il y a Beni, il y a Lubero, Bandegourabisope, il y a Ituri, Bazala, Uni, Popila. Puisque Baoyo, chaque Moutounabiso a dans la mboka wana. C'est pas normal, Mobali Netio, aye, voilà, na machete à Katio, on peut dire Moutouboy. Non. Organisez-vous. Et Ndekoana, et Lokoana, même armée. Parce que nous, on a fait ça armée. Et Walikale, 90% de Walikale, ce n'est pas accessible. C'est un terrain compliqué. Puisque les FDLR avaient chez nous érigé des camps militaires, des universités, c'était vraiment un fief vraiment bien pour la Bango. Et ça nous a réduit même les risques. Il y a confrontation à Rwanda, puisque Rwanda disait que. Alors, pour chiter pour les mines, Makamboya mine de quoi? Code minier Zali, c'est cette bonne gouvernance où Félix et Autocotia, président Félix. Ce n'est pas normal un étranger qui vient, qui est dans le secteur, qui n'est pas compliqué, et qui n'est pas contrôlé. Il faudrait que tout bandana, non, bah, élection oyo, municipale, locale,
urbaine. Le fait de ça, l'angote, c'est vraiment ça nous compte. Parce que pouvoir n'a ses athées, administration d'Aka Likolo, yango moni même, ben, assemblée professionnelle, les lois de tout ça. Yango biton a hâte de faire allier. Tolobaki, les élections prioritaires, on doit d'abord organiser des élections qui, depuis 30 ans, n'ont jamais été organisées. Les locales, municipales et urbaines. Comme ça, n'a ses, tozala na ba élu du peuple na pouvoir local pa oyo bazo nommé ba noko ba semeki ba camarade ya ba parti mais qui n'est juste pas de la confiance de la population. Or ba tona ba yakawana na ba milliers rurales par exemple ba étrangers bazo ya ils opèrent puisque pouvoir les akunate les gens qui sont là la population ne se reconnaissent pas en eux hein bazo reconnaître les bangote yango moni pas tozala ngo yango na binde konanga pour chiter que les loyo vraiment il faudrait que Batouba Zalana espoir avec l'instauration de la bonne gouvernance, de la justice, Makambo Nyoso et Kosila Namboka. Oui, Ndeko Nico, terminé. Vous avez 5 minutes, très rapidement. Merci beaucoup, merci moi Namboka. Oh, merci oui. beaucoup. Nangana est venu rapidement Namboka à 3 milliards de réserves d'échange. Il n'y a pas de productivité interne de Koili Michi qui va motomaele ceux qui réserve d'échange et mata qui allie simplement bah, des tests droits de tirage spéciaux au niveau à Sichua à Bretton Woods quand il va déverser en haut valeur il y a 3 milliards mais en réalité les réserves d'échange et joue à cana stabilité à taux d'échange. Mais taux d'échange est à flottant, taux qui est vers 21. Taux d'échange soit à stabiliser, ils ont impliqué stabilité des prix à marché. Les prix à marché sont en hausse. Donc votre augmentation réserve ne sert à rien du tout sur le plan social. Le peuple a été bien voté, a zo ressentir en voté. Pour na makambo état de siège de Kwalobi solution bambeka qui meka qui partout, il y a pour avoir une solution d'état de siège. Non, état de siège est ali complot contre la République puisque bande qu'on soit est moyen manifester contre ba Rwandais alité, contre ba groupes armés étrangers alité. Je vous pose une question pour un champion. Mamadou Ndala, Général Bounza Mabe, Général Bahouma, ba gagna ba groupes armés en Rwanda, état de siège à la raté. Bolongola kaka, occupation, infiltration, trahison, to regagner Bitumba. Quelle est cette armée qui peut gagner na ba traître na kati? Yo lobi, bokata ba to mituna este, ba paya. Mais bino ben individu et puis aux obété la ngotolo na ebite so CPI a oki Rwanda la tout pas, et talio parce que lobi ngo mala misato. Koloba ki bokata ba to mitu. En tout cas, yo kata bato mitu etalio ngana li avocat yo mamboko loba CPI azali la simana yo. C'est l'état qui doit utiliser la force publique, la légitime défense. La force face ya agresseur na bokipa, ce n'est pas un individu aux machette au kati mutu mutu ou epe na plateau. Donc peut-être après awa ba interpeller même la police na biso. Na zone na dossier ya ndekwa lobi rapidement bilan omoni institution ya mafinga. C'est l'IDPS. Moni bo dieu kolika. Ba fingi biso nyonso na yo pe ba fingi yo ba biso imbécile. To identifier source yo dieu wana. Maman zo lo ba wana. Tous les Congolais sont des imbéciles. Y compris de ko Willy Michiki. Ba fingi ye. To Ali Bamboua. Ba Senzi. Ba Nyangala Kata. Ça c'est l'IDPS. Et vous dites que un tel pouvoir, ba kozo deuxième mandat de ko bo mi kosate. Bina IDPS, bo ko to la ba pile nan zela, hein. Champion. Maître nageur a commis maître destructeur. A lo to bo la ba pile. N'a pas piné, moi, tu crois, maman, ma tata, toboli. Ça, c'est l'IDPS. Le gangstérisme politique. Na, Katia Mboka. Très bien. Bila, na, na, chiten deko. Pisa, y'a 5 minutes, hein. T'as commis la souka, t'as commis la souka. T'as commis la souka, ndeko. Oui. Bref, toi, ali, na marche, le 29. Président Fayulu, na, président Mouzito, bah, en pleine, conférence de presse. Bila, IDPS, pe, bah, outi, qu'on s'estandie, jeep, na, y'a pas de finder, na, iti, gombe, sala descente. Très bien. Au moins, bah, image, moto, y'a y'a qu'on s'estandie, à côté, na, n'engue, à coffre. Na tika ikan na ngai na kati. A koti na ndenge ya coffre. A tche moto, mwaya bime alita kufi na kati. Bozo mwana yi de pes. Donc mwaya siko tout sa l'enquête ya lite moto yiko tumba jeep. A kufi na kati ya jeep. Jeep e peli. Donc l'état congolais fwa restituye jeep wana. Yo mwana apresa Tshisekedi. Na gouvernement na bino. Na kofunda bino. Parce que bila yi de pes se konba acte à sabotage. Merci. Bref, il faut tout le monde occupation si d'éco. Le peuple doit s'élever comme un seul homme. Toi appliquer article 64 la bateau yo. Parce que bah dangereux. Si t'as même réduit un boka. S'il vous plaît. Congola Kondi, Toko Liate, Maezalite, Oketi, Nangola, individu, ça l'enquête. Mais gouvernement, comme Nangola, t'es côté de Bébé Sagimai. Ça, c'est l'IDPS qu'on bang à ma voisin, parce que, c'est pas possible. Merci. Bah, ma cassité, bah, on bang à Montognoso. Merci beaucoup. Ça, c'est les bilans de l'IDPS. Tout le monde dans le calme. Vraiment, Bouzala, je vous appelle au calme. L'essentiel est Ali. Par exemple, quand je viens de là, je ne trouve pas des débats
que nous faisons ici. N'Angola et Zate. N'Angola, les débats tournent autour des intérêts Yamboka. Et les gens sont sérieux en Angola. Je vais vous en parler tout à l'heure. Tous les Gibans ont la démocratie. Mais ce qui est vrai, ils sont sérieux plus que nous. Tobelelaka awa ke mboka na biso ekozala sauvé na nzela ya article 64 parce que ezali na kati ya mobeko likondi aujourd'hui. Ndeko moko atuni nga maman Tatiana est-ce que yozo sepela? Non, nazo sepela ta. Nazo sepela te. Na pono mitenge ekendeli nani ya kosepela na yango. Po sepela na yango fozala kaka bango. Bato ba kosepela te. Ba basili sa ba misala o ba bandaki. Ba beti ba mama les images koutou to lobate. Eza partout etamboli na bamboka nyonso. E silence radio. Na biloko wana nyonso ou esalimi. On dirait que bato ba ko kambabiso bazo kambabiso na haine, na rancune na mitema. Nzo kande moto ako kamba, auti na parti yo balobaki kolobate, parti na bango ezali demokrate. Parti na bango ezali ya demokrasi. Est-ce que l'UDPS ezali parti ya demokrasi? Eti seke diye demokrate, est-ce que ezali ya son? Na yebi ke ba fanatiki bozaka na maboko na bino pona ko beta ko kuma. Me ba oyo ba yebi baza ba conscient que moi na vota ki nanga Félix Tshisekedi. Vota ki et. Pona ngai na kana Kinshasa na tika la obuje na kita. Na kana Kinshasa. Tilelo. Banda Félix Tshisekedi azo pouvoir tilelo na kana Kinshasa na buja te. 5 ans. 5 ans, moi, je vais vendre ici. Tout le monde peut assister à la bloc de Bélé au Sarana. Quoi dire? PCA. Tout le monde. Maman Tatiana, honte à vous! Bato bozo komawa, bozo, honte à vous, honte à vous. Et la plupart même, to monabino ebele o ba consciente, ebele bo utaka na diaspora boyara awa. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détourné l'argent bo yibimbongo. O bo uta e diaspora, ba misu soki DJ moko uta o yiba, ko détourné mbongo mwa francophonie awa. Et belé, bon meka kozonga, tozana bino awa. Awa, si ko to komi ta ta ta, présent fait Tshisekedi, boye, 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 boye. Que pensez-vous? Niti alem bolodjo alobaka, place ya fait Tshisekedi, izali na boulou. Parce que la plupart ya bato, bazara soka zo loba, balini ko lobate, bazala clair, bazo lobate. O, omoni, bato bakambi na président nde basali. Mino ba yo bolo baka na lokota ya li falansi, bo akana adaj moko bolo baka ti. Ezala kana ba mauvais troupe, te ezala rande na mauvais chef. Mokambi. Otango oko muna te bato yo ko kamba ba ko kienda malamu te. Oko beta loboko na mesa. Te, awa te, awa boui, awa boui, awa boui. Pourquoi est-ce que ma quitté na mandat Félix Tshisekedi? Et moi, maman Tatiana, na yana sepla, Félix Tshisekedi ako sala boui. Na yebi sarabino opposition. Na yebi sarabino, e belé ba traitera nga de tout sauf rien. Tala lelo. E lobi bo ketchu ayambo, bo bete la nga maboko. Que n'engo boko kende bwe boza sûr na maponomio
au fait ce que dit à saliboué liko na ba bimisi ba biloko a lokuta po na fayulu o alia kimbongo o asala kiboué o asala kiboué siko to suki wa mbongo ngo bo bimisi la biso ba preuve mbongo ngo bo sala boué siko. Dans l'apéro, Mikolo n'a pas mon air publié. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, tout ça a besoin de Toyo Kaeto Yeba. Qu'est-ce qui se passe dans mon ambo apéro Loire, s'il vous plaît? Tolinga Toyeba Potozo Yo Kaete, ma publication Ténimité, Tolingi Toyeba Péro Loire, Bao Bozara, ma proche, Banini Bosa, la mise au moins signe de vie, Toyeba Péro Loire, Aza Wapi. Aza Wapi. Toto a besoin de Toyo Kaete. Un mois absence, oh, moi qui m'y a oh, dérangé, pebis au moins même. Il est où? Qui m'y a oh, dérangé, biso. C'est vrai pour n'avoir sa bonne année même. Total est en haut. Nous avons appelé sa biso Congo. Nous avons appelé sa combat et à la rabou, tobunda. Nous avons appelé ça biso Congo, et puis pourquoi linga ki maman Tatiana za la congolaise? Aibi pourquoi linga ki Roger Mangwanda za la congolaise? Aibi pourquoi l'obaki que maman Cécile Osango a za la congolaise? Dieu seul, aibi. Pourquoi linga ki Mikandek a za la bon? Jojo komi, ya yebi. Pourquoi linga ki a za la biso to za la congolaise? Moni musala ya makasi SSC Senko bako sal pe ba bandaka yango deja na ebandeli musala ya makasi okutu tokoyi kotala zinga zinga ya biso te toyebi misala na bango ya makasi oyo basalaka mpona mboka na biso. Révérend docteur André Bokundo atopi siombo te esika ozali. O salama la moto komona. Be boko babongo. Ba arrestation, c'est ce que nous dénonçons. Ba enlèvement yango wana to lembarate ko dénoncer. Mais ko vanda te o lobe, loko le sali boye, be l'élection opende lembi singa kota la politique. Te ko ba. To fonce. Eza tango o to lemba kande tango makambo yaka. Congolais à la yo, Congolais soit fort, y a quoi affronter. C'est que l'opposition a comme ça, les locaux n'a singra bango hier. Singra bango en lobby. Mais pas ça la qui a moti. Est-ce que y a un homme de rose à la lune, y a ma camboué comme ça la te bisoto te. Kuzonga simate koba na etumbo yoni. Ko etumba o biso to kosala lelo yango moto kosala teto kenda liboso. Merci na Chanti Vambano de Pundes siko kolanda biso. Bundaka apona Kongo yaka Kongo tozonga sa sikape basafu balobaka na biso nyonso to landa yango biso na bino. On se retrouve juste après. Mathématiquement, il est impossible de rattraper le retard. Quel sentiment vous anime quand la victoire de Félix Tshisekedi se dessine déjà? D'abord, je suis animé par les sentiments de joie. Et je dis merci au Créateur des cieux et de la terre, puisque c'est grâce à lui que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et comme vous le savez, il y a eu trop de pronostics des prophètes de malheur qui ne s'entendaient même pas qu'on pouvait réaliser ce que nous avons réalisé. Et grâce aussi à l'apport de tous nos amis de l'Union Sacrée, qui se sont battus, qui ont mis toutes les énergies en place pour qu'on puisse réaliser ces scores. La victoire, ou bien la victoire qui se dessine, l'écart est très important. C'était prévisible, c'était prévisible. Plébiscite oui. En faveur de votre candidat. Oui, je vous dis que c'était prévisible, puisque le problème, c'est surtout vous, nos amis de la presse, qui ne voulaient pas faire cet exercice scientifique ou bien mathématique.
quand vous regardez notre candidat numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il s'était fait accompagner par tous les grands décideurs de la politique de notre pays, contrairement aux autres candidats. Quand vous regardez au nord, il y avait tous les poids lourds. Au sud, la même chose. À l'est, à l'ouest, au centre, n'en parlons même pas. Les résultats sont là. C'est pourquoi j'étais contre les sondages bidons qu'on nous présentait. Non, on voyait Tshisekedi avec 43% et j'étais toujours opposé pour dire aux gens que non. Ce que vous présentez là, c'est pour préparer les esprits des Congolais. Tshisekedi, si la paix des pourcentages, ça sera 85% ou bien au-delà de ces 85%. Quelle saveur a cette victoire par rapport à celle de 2018? Parce que ici, c'est un peu détaillé. Monsieur le journaliste, nous sommes en 2023. Ne nous comportons pas comme la femme de l'autre. Au moins, ils étaient déjà sortis de Sodome. Elle voulait regarder derrière. Elle était devenue la colonne du sel. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Parlez-moi des réalisations, des succès récoltés par Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. 2018, c'est déjà dépassé. Vous avez parlé sûrement au président de la République. Dans quel esprit, dans quel état se trouve-t-il? Dans quel esprit? Tu as déjà vu un étudiant qui passe la session et réussir et être triste? Il doit être animé par les sentiments de joie. Il y a encore une autre question? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. À la... Une voix tremblante, ça veut dire quoi? Mais quand vous faites une approche d'ordre psychologique, parce que j'ai étudié Freud avec la psychanalyse, lorsque la voix est tremblante et les lèvres bougent, cela se traduit par la haine. La haine. La haine. Vous sentez la haine dans son cœur, comme c'est un sanguinaire, ça se manifeste. Parce que Habermas parle de la monstration de l'homme. L'homme se dévoile par son langage. On peut définir l'homme par son langage. Et quand il faut définir Jean-Pierre Mbemba par son langage, vous sentez des infirmités graves. Je venais de relever tout à l'heure une erreur grave de son niveau. Pour le bien de nos enfants, il faut que Mbemba... J'ai noté, il y a plusieurs fautes que j'ai relevées. Mais Katumbi, selon lui, Katumbi, c'est un manipulateur. Le monsieur dont on parle, pas le monsieur que tu parles. Alors, Katumbi, c'est un manipulateur, un mafieux. Si Jean-Pierre Mbemba doit traiter Katumbi de mafieux, je suis toujours dans la psychologie approfondie. Il y a ce qu'on appelle en psychologie, évidemment, dans l'étude du comportement de l'homme, la projection cathartique. C'est celui qui est mafieux. Il va attribuer son comportement négatif à l'autre, ce qu'on appelle la projection cathartique. Il est Azam Ouyibi, mais pendant qu'il lui-même est voleur. Donc, il se plaît d'observer son comportement négatif à travers l'autre. C'est ça la projection cathartique, ce que Jean-Pierre Mbemba va faire. Mais si nous devons définir Jean-Pierre Mbemba, entre temps Katumbi des mafieux, le plus grand mafieux c'est Jean-Pierre Mbemba, c'est pourquoi je parle de la projection cathartique. Posons-nous la question, pourquoi Mbemba a été arrêté? Mbemba était là à la CPI, pourquoi? En tant que chef de guerre, avec une CPI en tant que chef de guerre. Non, pas seulement en tant que chef de guerre, c'est maintenant qu'il va être arrêté. Je vais vous donner l'information, je vais vous faire une révélation. Mbemba a été arrêté simplement parce qu'il est mafieux. À chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir un territoire, il opérait du vol, il dévalisait les banques. Parmi, n'est-ce pas, les griefs retenus dans les chefs de Jean-Pierre Mbemba, il a dévalisé les banques françaises à la République centrafricaine. Les Boana français, les richissimes français, se sont organisés pour entrer d'abord en contact avec Jean-Pierre Mbemba, voir dans quelle mesure ils pourraient retourner de l'argent. Ils ont amené des caisses à Guémena. C'est là qu'ils sont allés détruire les caisses pour récupérer de l'argent. Cet argent-là n'appartenait pas à Jean-Pierre Mbemba, appartenait, n'est-ce pas, à des banques françaises. Et ces richissimes se sont organisés pour les clouer. Il accepte de faire 10 ans en prison, ou de passer 10 ans en prison, tout en acceptant de garder l'argent. Le plus mafieux, d'ailleurs mafieux, nous sommes encore gentils dans les langages, mais s'il faut utiliser un langage rigoureux et vrai, c'est un voleur. Il va au-delà même du mafieux. Le vrai mafieux, c'est Jean-Pierre Mbemba. D'accord. En quoi il est mafieux? Tout ce que Jean-Pierre Mbemba fait pendant la guerre, il dévalisait les banques. Il n'a jamais été militaire. Il était outillé par Museveni, armes, militaires, accompagné des experts militaires. Je vous fais une petite révélation. Jean-Pierre Mbemba subit une formation de 2 semaines par le général James Kazini. C'est un Ougandais. En dehors du général James Kazini, qui forme Jean-Pierre Mbemba pendant 2 semaines, parce que ce n'est pas un militaire, il y a Mustapha. Et James Kazini, de quelle nationalité? Ougandaise. Mais Jean-Pierre Mbemba nous a amené des Ougandais ici.
Il parle des étrangers, il nous a amené des étrangers ici. Les gens du Congo central, les gens de Kikwit, ils ne vont pas me contredire. Le général Mustapha, qui a commis des crimes au Congo central, à Mwanda, il a commis des crimes, c'est un Ougandais. Avec Jean-Pierre Bemba. C'est Jean-Pierre Bemba qui l'amène ici. Donc, lorsque Jean-Pierre Bemba, oh, des étrangers, c'est si les mafieux que les gens retiennent. Il a encore l'essence des Congolais entre ces. Il a l'essence, c'est un criminel, mon frère, qu'on se le dise. Parce que nous sommes un pays où nous pardonnons facilement, nous oublions si facilement. Mais s'il faut, n'est-ce pas, interroger l'histoire, l'histoire nous en dira plus que c'est un criminel de guerre. Ça, je ne dis pas n'importe quoi, je dis des choses qui sont vraies. On va évoluer. Donc, c'est-à-dire, pour que les jeunes retiennent ceux qui nous suivent, Jean-Pierre Mbembe a fait de la projection cathartique. Pendant que lui est mafieux, il veut traiter Katumbi de mafieux. Pendant que lui est voleur, il veut traiter Katumbi de voleur. Non, non, c'est attendez. Un être chanteur aujourd'hui. Mais attendez. Vous avez l'habitude de parler de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi sur des plateaux de télévision. Comment est-ce que est bâtie la fortune de Moïse Katumbi? Parce que d'après Jean-Pierre Bemba, quand il est arrivé au Katanga, il n'avait rien et que sa fortune est basée sur le fait qu'il a été gouverneur du Katanga. Ça, c'est un jugement des valeurs. C'est un jugement des valeurs, comme a dit Cicéron, ô tempora, ô mores, ô temps, ô mœurs. Je ne reconnais plus ce monsieur. Son cerveau s'est immigré dans les ventres. Argument. Maintenant, argument. Jean Moïse Katumbi, c'est un pêcheur. À 21 ans déjà, il avait des millions. Les Katangais peuvent témoigner. Et où t'as eu pêche. Azo ça la pêche. Moussala papa n'a pas de des millions. Proviennent et à pêche. Nalobi, la pêche. Nous, au fait, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut produire pour faire de ces pays grands. La pêche, ça, c'est un domaine qui renferme des devises. Ce que nous avions appelé les chaos électoraux, qui était en fait une fraude savamment organisée, visait à créer la confusion pour qu'on puisse déployer un nombre très minime de machines à voter dans des centres de vote et déclarer inopérationnel d'autres machines à voter. Comme ça, on allait très facilement les affecter aux candidats de l'organisation criminelle de la fraude électorale, tous dans l'Union sacrée, afin que ça puisse leur servir des résultats. C'est comme ça qu'ils sont en train de s'agiter, de s'escrimer, de parler, oui, maintenant on va afficher bureau de vote. Oui, parce que ce sont vos bureaux de vote parallèles, où vous avez pu voter en toute clandestinité, où vous êtes tous des fraudeurs. Et c'est notre peuple, ce n'est même pas des partisans de Katumbi, ce ne sont même pas des partisans des autres candidats, c'est le peuple dans la vigilance citoyenne qui vous a débusqué comme des rats terrés dans vos trous en train de frauder, de tricher. Et aujourd'hui, en dehors du camp de Félix Tshisekedi, personne de sérieux, personne de neutre, personne de suffisamment détaché et qui utilise son cerveau, ne peut qualifier ce qui a eu lieu d'être des élections crédibles. Ayebinga bien. Ayebinga très bien. Je suis son fabricant. Azamouke, naïebi sika outaki. Nana zoye sika mata pour comme la place ou naïemoukwa iska wiko talanga. Ako talangate. Akima yinga na New York, na Assemblée générale, nazaki na New York. Akima yinga na Bruxelles, nazaki wana. Oui, pour l'année qui est na Nila qui voyage à Abu Dhabi dernièrement, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens en face? Non, il ne peut pas. Aza mouké. Aza pété. Mais il y a des gens qui sont pété. Il y a des gens qui sont pété. Il y a des pété. Il y a des pété. Je ne regrette rien. Parce que monstre ou pas, c'est moi qui vais le démanteler. Ah bon. Mais en même temps, bisous ont observé que Yaza on n'a pas encore menacé yo. Et puis tant qu'on a vu qu'Azoki Mayo, mais Batoukane Balini Bayeba. Dis Liango Oyoyo Prometarabiso. Est-ce que un jour ton monaka t'es exemplaire physique na yango t'es authentique na yango t'es? To exhorta qui na bande qu'on a biso nyonso ya opposition.
avant ndenge na bandeya koloba que ba participer na ba élection oyoté na aventure oyo mais bango ba kindaki ils ont voté parce que mutu nyonso azalaki na encre na ye na loboko oyo elakisaki que avotaki mutu songolo pakala to pe ami votaki na maponomi oyo elekanaki. J'ai suivi une dame comme ça, Azalara Soki journaliste, Soki Nini, s'apprendre à Jean-Michel, parce que Azali, Azali Katangé, Bango, Bakasayen, Bazakaboué. Biloko wana yango tozo telemi, lanambo kanabiso. Est-ce que nos services, pourquoi bakangaka misu na ba déclaration à moi la moi si wana? Pourquoi vous avez l'impression de fermer les yeux? Quand il s'agit à Bato Bazali proche à Félix Tshisekedi faire des déclarations tribales. Bango bokangaka misu. Si c'est l'autre camp, boye bobimisi makasi nyonso. Ce n'est pas comme ça qu'il faut kokamba mboka. Je me pose la question, il y a ba résultat ndenge tozali ko salela boye bande ko balandi. E kozala ndenge nini? Honte à vous madame. Honte à vous. Depuis 5 ans, Félix Tshisekedi, Ozalaka na makamuka ya mabe na munoko na yo. Change à tamboula oyoko. Ou pe mboula esika. Oko change te. Vous changez à tamboula oyo parce que oyonde tozana besoin to yeba changement na bino. Oza mwasi. Depuis bobanda bitumba. Bonne année na ba partenaire fidèle ya maman Tatiana, maman Emilie Nzemba, ya tous pepele ya mbito le bonne. Ali tobi ke bitumba soki okobunda oko ekomi na souke sa ralo kwa neti o lembate to koba. Bonne année na bino pe merci pour na makasi grâce à vous bande kwa Chiltela, bozaka tout moment en direct. Merci à mon pote Guilain Bengi. Bonne année à Chanti Vambano de Bundes. Bonne année à Claude Njimbi. Bonne année à Eric Makengele. Bonne année à Roger Mangwanda. Bonne année à Cécile Sango, la confiance du chef Serge Katembo. Bonne année à Lolita Waku. Yangana ya Nestor Diba, la triple brassard. Bonne année à Bino Banson. Jolie Mayala, Masangwa Foua. Bonne année à Emini Laifeta. Bonne année na bandeko nyonso bolandaranga a bonne année boss. Bonne année na Chanti Vambano de Bundes, bonne année na Roger Mangwanda, bonne année na bandeko nyonso ba bolandara biso 2024 o ezala succès na ba vie na bino. Bonne année na apôtre Kokobar, bonne année na bandeko nyonso ba ebosambela rapo na maman Tatiana Bokoba, bonne année na papa Patrice Ngoy Musoko pe maman Esther Musoko na Pesibino. Bonne année 2024 na bana nyonso ya église Mon Âme Loue l'Éternel, bana nyonso ya paroisse Saint Charles Luanga ya Bandalungwa, bana nyonso ya paroisse Saint Michel ya Bandalungwa, batata la bé nyonso na Pesibino. Bonne année Père Denis, bonne année depuis États-Unis. Bonne année 2024, Nabino Banson, Baibolinga Ramamon Tatiana, Bolanda Ramamon Tatiana, pour continuer à couper sa confiance, Nabino, Nasenga Nabino, et Lokomoko, pour matisa maman Tatiana, les sous-pinza, tomata. Bonne année, Naba confrère, Nanga Peba consoeur, Nanga Nyonso, Namusala Yama Kasi Oto Sali, Patrick Loka, la bonne année, Kouloutou. Bonne année, Maman Bibi. Bonne année, Maman Bibi Kapinga. Bonne année, Maman Joël. Bonne année, Maman Océane. Bonne année, Boza et Bélé Bino Nyonso. Na Pesi Bino Penza. Bonne année 2024. Bonne année 2024, na Maman Sido, Maman na Naomi depuis Anvers. Bonne année, na Maître Doris Mayanga depuis Paris. Bonne année. Bonne année, na coach Henri Kassima Fred Ed. Bonne année. Bonne année, na bande konyon so bae boulanda kabiso awa na ngumba Kinshasa, Libanda, bweba ke maman Tatiana alingi bino mingi pe na kokoba toujours kolinga bino. Bonne année na Mimi Laifeta, ya joli Mayala Masangwa Foire. Bonne année. Bonne année na bae nyon so ya Bandalungwa ou rien. Bonne année na bino. Bonne année, bana ya Bandal, bonne année, bana ya Kasavubu, bana ya Njili, bana ya Masina,
bana ya Selemba Obumbu, Monga Fula, bonne année na bino nyonso vraiment. Je vous aime bana mbinza pigeon, bana kenangoka, bana ya Chang, bana ya Funa, bana ya Moamba, bana ya bino nyonso en tout cas. Na lingi bino mingi, boko ba toujours kolanda pe kopesa confiance bana ya Lukunga, bino nyonso na lingi bino peto koko ba toujours kolinga bino 24 communes. Oh ya biso to pesi bino bonne année. Bonne année na ba bayi acteur politique nyonso ya mboka na biso. Bonne année na kadi mandengo fetise biso na pasi na motema. Nzambe kaka nde ayepi. Merci na ba congolais. Merci na ba congolaise, bino bayo boko ba kolanda biso. Merci pour la confiance et fidélité na bino. Bonne année na bande konyoso, ba papa Yves Bouya, bonne année na bino, papa Peter Tiani, bonne année na bino boza ebele, Edmond Izuba, boza ebele, bino nyoso na pesi bino. Bonne année na papa Jacques Dikou, l'engambe de la presse. Bonne année na ndeko Zulu. Bonne année aux soki nzambe asungia kokie na parlement. Bonne année na bino banso soki na lobina banda koloba na koloba lelo eza mokono ya mbotama mbotama elamu ote ya mabotama bino. Bonne année na India Force oya tika ki biso pete ane oyo ezalaki ya tout moment. Bonne année na papa Alambolo Djoa libota na ye mobimba. Bonne année na bandeko nyonso ba ebolandaka biso. Bonne année penza na bandeko nyonso ya PPRD, bandeko ya SID, bandeko boza ebele ya ba parti nyonso. En tout cas oyo bozalaki heure nyonso soto zo benga bino na ba émission na biso bozalaki wana ko répondre toujours présent to pesi bino bonne année na ba ope bo reponda ki te ba ope bo boya ki pe to pesi bino bonne année sika année ya sika to banda yango kasi kolemba lutte na yo te hein. Kobosa na lutte na ote. Maman Tatiana, je suis et je reste toujours dans la vérité. Ce qui nous a mis à Zongite Tokute Nabino, année prochaine. Balobaka l'église et la presse sont au milieu du village, mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, vous dit que l'église est le corps du Christ. Christ est vérité, il y a passé au sang. La presse, le Seigneur Nabiso, tous à la toujours dans la vérité. Bonne année! Allez, on se retrouve l'année prochaine. Au revoir. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.